Amanda, thank you very much indeed. And I think we have a very natural follow-on now to that, as Madagascar is developing public and private partnerships involving business, government, non-profit organizations, and the community. To give us a picture of that, we're joined now by Patrick Ramon Javelo, who is advisor to the Minister of Tourism in Madagascar, looking at issues of population, I think training, and also global thinking, local acting. Patrick, thank you. Je vais m'exprimer en français. Tout d'abord, je tenais à remercier l'International Trade Center de m'avoir convié de pouvoir parler au nom de Madagascar et au nom des autres pays moins avancés ou PMA. Et je tenais également aussi à remercier la représentation de Genève qui nous a bien transmis l'information. Et c'est déjà un premier acte, parce que je représente également les agences de voyage de Madagascar, d'un partenariat public-privé. Alors, un petit rappel sur Madagascar. Madagascar, c'est, si on prend la composante du tourisme, ou plutôt le tourisme dans l'économie malgache, c'est 13% du PIB. C'est le premier secteur qui emploie à Madagascar. C'est le deuxième secteur en termes d'investissement direct étranger. Madagascar, c'est aussi 2% de la biodiversité mondiale. Madagascar, c'est 50% de personnes qui ont moins de 25 ans. Aujourd'hui, Madagascar, c'est 21 millions d'habitants. Et en 2040, on sera 40 millions d'habitants. Vous constatez quand même qu'il y a un enjeu fort. On veut miser sur le tourisme. Il faut que le tourisme durable soit un plébiscite de tous les jours. Mais pour parler de tourisme durable, faut-il encore la durabilité du tourisme ? Et c'est un peu ce que je vais essayer de vous partager. Il y a des expériences et des perspectives. Le tourisme, c'est la rencontre, d'une part, en haut de la chaîne, la population. Et en aval de la chaîne, vous avez les touristes, qu'ils soient locaux ou internationaux. Si cette rencontre ne se fait pas, ou elle n'est pas durable, le tourisme n'a plus raison d'être. Alors voici quelques pistes, voire même des actions qui sont déjà mise en œuvre pour justement pérenniser cette rencontre. Tout d'abord, en haut de la chaîne, je parlais de la population locale. On souhaite qu'elle prenne conscience du patrimoine qu'elle a, qu'elle soit culturelle ou naturelle, avec la biodiversité, comme je vous disais tout à l'heure. Secondement, il faut être transparent avec cette même population. Il faut lui donner, il faut lui partager les enjeux de tourisme. Bien entendu, il faut lui dire les forces, les emplois, les faiblesses que vous connaissez, les inflations ou l'inflation apportée, mais aussi les menaces, le tourisme sexuel. Et bien entendu, et je pense qu'il faut faire un focus là-dessus, ce sont les opportunités. Ce sont des investissements directs étrangers pour préserver le patrimoine dont je parlais tout à l'heure, de ces populations locales. Troisième point, et pas des moindres, c'est de consulter, d'intégrer, d'inclure la population dans les grandes décisions locales. Je m'explique. Lorsqu'il y a par exemple un hôtel qui s'installe à Madagascar ou ailleurs dans un autre PMA, si vous n'impliquez pas la population, si elle voit les camions venir sans qu'elle soit impliquée et qu'on lui demande de quitter sa terre pour dire « Ah ben non, on va mettre un hôtel ici », je pense qu'il y aura une friction, ce sera tout d'abord anxiogène, crisogène et conflictuel par la suite. C'était l'approche au niveau de la population. Je vous disais, en aval de la chaîne, vous avez les touristes. Que peut-on faire au niveau des touristes? Quel partenariat peut être fait entre le public, le privé? Il est là. Il faut sensibiliser également les touristes, qu'ils soient locaux ou internationaux, comme je disais, qui vont aller dans un pays comme Madagascar, qui est un sanctuaire de la nature. Il faut respecter les gens, respecter l'endroit, se mettre en communion. Telle est la valeur même de la rencontre. C'est cette communion-là, dans le respect. Deuxième point, c'est au niveau de la formation. Si on veut la pérennité, effectivement, de ce secteur, il faut s'en assurer la continuité. Gérer, c'est prévoir, disait l'autre.
Alors ça commence quand même très en amont, tout en bas de la chaîne scolaire. C'est au niveau des populations, au niveau de l'enseignement primaire, leur dire, vous savez, chers enfants, vous avez un patrimoine. Et ce n'est pas qu'uniquement le patrimoine local, mais le patrimoine national. Il faut les sensibiliser, il faut en parler, il faut qu'ils découvrent cela. Un échelon un peu plus élevé, c'est d'être sûr que les formations qui sont dispensées dans les écoles, dans les centres, répondent bien à une demande du marché. Et comme vous le savez, la demande est dynamique, il faut que les formations soient dynamiques également. Il n'y a pas plus frustrant que de travailler dans un secteur ou d'étudier un secteur sans y trouver un débouché quelque part. Une adéquation entre l'offre de formation proposée et la demande du marché. Troisième point concernant la formation, et ça c'est plutôt destiné au secteur public, c'est qu'il faudrait fortement recommander les opérateurs, quels qu'ils soient, à provisionner un fonds basé, ou ça peut être une quote-part de la masse salariale, pour tout ce qui est knowledge management, ou la continuité de la connaissance, voire plus loin, c'est-à-dire une montée en compétences du staff, du personnel existant, mais également pour tous les étudiants par à travers des apprentissages et autres. Ça, c'était au niveau de la formation. Enfin, comme on le disait, le monde aujourd'hui ne fait plus qu'un, c'est un grand village. La mondialisation est une réalité, même pour Madagascar. On vit notre insularité, bien ou pas bien, mais le constat, il est là. On n'est pas tout seul. Donc il faut, avant toute action locale, penser global. Penser global, c'est quoi ? Eh bien, c'est prendre en considération toutes les menaces qu'il peut y avoir, la concurrence, mais également les opportunités. Et pour cela, il faut activer, parce qu'on n'a pas trop les moyens d'avoir une CIA à Madagascar, en termes d'intelligence, mais d'activer les réseaux à travers les ambassades, les consulats, pour qu'il y ait des personnes au sein même de ces structures-là, des représentations internationales, pour nous fournir des informations en temps réel, à jour, afin que nous puissions, au niveau local, agir, c'est-à-dire prendre les bonnes décisions avec notamment cet outil qu'est la formation, cet outil de décision. On parlait effectivement de pensée globale, et je voulais mettre un intermédiaire avant d'agir local, c'est acter régional. Si effectivement, aujourd'hui, Madagascar n'est pas tout seul parce qu'on est dans des instruments comme la COI, la SADC, la COMESA, l'Union africaine, et bien même au-delà, c'est de s'adosser justement à la dynamique de ces structures régionales, donc aussi opportunées pour Madagascar de ne pas être tout seul, je pense notamment à l'île Maurice ou à la Réunion, qui sont des voisins et qui drainent beaucoup de touristes, pour justement monter en termes, effectivement, de compétences. Qui dit compétences dit connaissances, qui dit connaissances dit forcément et sûrement des touristes au bout de cela et des investissements directs étrangers. Travailler en toute intelligence et en synergie avec les réseaux régionaux, voire internationaux, tout dépend effectivement des blocs. Alors je parlais enfin d'acté local. Acté local, c'est de se dire, si je fais ceci, quelles seront les incidences par ailleurs ? Est-ce que le secteur privé va être ébranlé ? Est-ce que la population va bien faire ? Ah, et maintenant au niveau international, si je fais ceci, est-ce qu'il y a une incidence ? C'est de se poser la question, quelles sont les conséquences de cela et comment je peux mesurer ces conséquences-là ? Donc avec la mise en place d'indicateurs, il y en a qui sont délivrés par des grandes instances comme l'indicateur, l'indice de développement humain, mais on avait aussi d'autres, le PIB et tout cela. Mais le tout, c'est d'avoir des indicateurs nationaux qui permettent de mieux agir par la suite. Si je devais me résumer, au cœur, en fait, de tout cela, il y a la population. Et juste avant de terminer, il y a une petite histoire. C'est un monsieur qui a entendu que Madagascar était un pays où les gens étaient sympas, gentils, d'une hospitalité. Il habite en Suisse et va voir la représentation en Suisse. Il dit, ben voilà, moi j'ai un hôtel, je voudrais bien en construire un à Madagascar, est-ce que vous pouvez nous aider ? Donc la représentation en Suisse dit, ben oui, il n'y a pas de souci, on va vous donner toutes les informations utiles. Par la suite, l'ambassade envoie cette même personne dans une mission économique à Madagascar pour faire justement un état des lieux, constate qu'au niveau législatif,
tout semble bien. Il va rencontrer la population accueillante, rassurée, parce qu'elle a été impliquée. C'est très bien. Et on lui dit, bah tiens, moi j'aimerais bien faire venir de l'énergie non renouvelable. Alors l'État dit oui, il n'y a pas de problème. En plus, vous avez un abattement fiscal là-dessus. Hein, vous ne payez pas de charge fiscale et ce sera avec zéro douane durant tant d'années. Très bien, donc des photovoltaïques, mais à seule condition que vous partagez 10% de l'énergie créée à la population locale. Cette même population locale, avec ces 10%-là, fait de l'agriculture, fait des carottes, des tomates, qui revend à l'hôtel, qui mange bien avec la population de Douzain. Les clients reviennent et vous voyez, c'est toute une chaîne. Mais le cœur de la chaîne, je pense, c'est la population. Sans la population, vous ne pourrez rien faire. Alors, permettez-moi, Président, quand j'entends les trois P que sont le partenariat privé-public, je pense qu'on oublie un dernier P. Je pense qu'il faut parler de quatre P. C'est le partenariat privé, public et population. Merci beaucoup. Patrick, thank you for a very passionate delivery of the argument. Let's see if we've got any answers. As we move down the list now, Dorothy Tembo is the Executive Director of Enhanced Integrated Framework. Now, a multi-donor trust fund supporting LDCs as they try to become more active in the global trading system. So how can the Enhanced Integrated Framework help a country like Madagascar, for example? Dorothy is, as I say, Executive Director, formerly the Chief Trade Negotiator and Director of Foreign Trade in the Ministry of Commerce, Trade and Industry in Zambia. Dorothy, thank you.